Allez, salut tout le monde, ici Replay4You, on se retrouve pour le cinquième et dernier épisode de cette saison 2. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent, c'était sûrement un des meilleurs épisodes d'ailleurs, puisque non seulement on a augmenté notre capacité de recherche, on est passé à 6 laboratoires, mais on a aussi augmenté totalement notre défense, puisque ça y est, j'ai la technologie des lasers, j'ai pu implanter plein de tourelles laser, on en a 4 ici, je crois qu'on en a 5 là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la droite. Ma base fonctionne très très bien. On est dans les temps, on a des potions rouges, on a des potions vertes, on a tout ce qu'il faut, tout ça c'est automatisé. J'ai de l'acier mais ça me sert plus à grand chose puisque ça me servait à fabriquer les tourelles là. Mais bon, dans l'absolu j'en ai pas besoin de plus que ça. Les munitions, j'ai des chargeurs de munitions perforantes qui pourraient être beaucoup mieux, mais c'est pareil, j'en ai pas besoin. Puisque mon objectif n'est pas d'aller attaquer la base alien, mon objectif c'est de survivre jusqu'à explorer cette technologie vol qui est ici actuellement et qui normalement devrait se faire dans cet épisode. Je m'aperçois que j'ai pas mal de potions rouges et de potions vertes. On pourrait peut-être se faire un labo supplémentaire. Bon, je pense que ça va suffire. Ça va suffire, ça va suffire. Ouais, j'ai vraiment de quoi faire. J'ai vraiment de quoi faire. On va surveiller un peu les labos puis on va faire un tour complet. Donc là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon, là aussi. Là aussi, ça travaille dur, et toi aussi. Ok, tous les labos sont pleins, tous les labos travaillent à merveille. J'ai un peu stoppé la production, parce qu'il y avait clairement une surproduction, et même avec un chariot automatique comme ça, avec un circuit fermé, on était dans quelque chose de beaucoup trop productif. Il y avait trop de production, c'était pas gérable. Donc là, dans une minute, on va se faire attaquer, j'espère que ça va bien aller, normalement oui. On va peut-être se promener juste un petit peu pour rigoler. Bon, je vais sauvegarder quand même au cas où, je voudrais pas foutre en l'air cette saison inutilement. On n'est pas en hardcore, j'ai pas qu'une seule vie, je peux me promener. On va voir un peu, regardez ça. Voilà, on va atterrir sur la base alien, regardez. Donc là, on aperçoit la base alien ici. On va surveiller un peu, regardez ça, c'est tourelle de lance-missile, regardez. Je vais m'en prendre une dans la tronche volontairement. Oui, oui. Ouh là là, vous avez vu en deux coups ce qu'elle m'a fait perdre, pourtant j'ai une belle armure. Ce sont ces missiles là, regardez ça. Ouh là 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 là. Aïe. Ok, donc ça c'est la base alien. Ça fait pas partie des objectifs de cette saison 2, donc on s'en occupe pas. Dans la saison 3, rassurez-vous, on va faire un truc de malade. Dans la saison 3, je vais aller au bout du jeu. Je vais tout faire, toutes les technologies, les trains, les voitures, les missiles de défense atomique de la mort qui tue, je vais tout faire. Je vais aller attaquer les aliens, je vais récupérer je sais pas comment ça s'appelle, c'est la technologie Xenos, je crois, c'est ce qui permet de crafter ceci. Voilà, la technologie Xenos, c'est exactement ça. Ça permet de crafter les potions violettes. On découvrira tout ça dans la saison 3. Si vous voulez savoir quand est-ce que sort cette saison 3, www.iplayforyou.fr, vous cliquez sur planning de sortie des vidéos et vous aurez accès à mon planning des vidéos pour savoir quand ça sort. Allez, la prochaine attaque arrive. On va la surveiller ici. On est déjà à la moitié de la recherche de vol. Vous voyez que 6 laboratoires, ça dépote. Et normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. On va les surveiller quand même un peu de haut. Alors, faut savoir que dans la saison 3, on prendra une carte aléatoire et que les cartes aléatoires sont énormes. Si vous trouvez que celle-là est énorme, elle est ridicule comparée à ce qu'on aura dans la saison 3. Oh la vache! Oh, il y a eu craquage là. Regardez ça! Oh, ça va, ils attaquent de deux côtés. Ouf! Ouf! Alors, deux choses à dire par rapport à cette attaque. La première, heureusement qu'ils se sont séparés en deux. Heureusement, je vous le dis, parce que sinon ça aurait été nettement plus délicat à trouver, à gérer. Et surtout la deuxième, bah, vous l'avez vu, heureusement là aussi que j'avais mes tourelles laser. Si j'avais pas développé la technologie laser à ce stade de la compétition, ça passait pas. Ça passait pas, mais mes tourelles manuelles se seraient fait démonter une par une. Les aliens seraient pénétrés dans la base, ils auraient tout cassé, je serais mort, c'était fin de saison. Donc heureusement que j'ai fait la technologie laser. Pouf! Et on voit même avec ça, regardez ça, ils ont réussi à taper un peu quand même. Donc là c'est chaud. Allez, bon bah c'est parfait. Je suis un peu désolé par rapport à cet épisode évidemment, puisque concrètement j'ai plus grand chose à faire, si ce n'est qu'à tenir le coup. On va peut-être avancer juste un peu malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander des munitions. Allez, on va demander des munitions. Voilà, j'ai des munitions de bazooka, donc je me dis tiens, autant en profiter pour s'amuser un peu. Mais là clairement j'ai fini la partie. J'ai fini la partie, j'ai plus qu'à attendre sagement dans mon coin. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop, on change d'arme. Est-ce que je peux canarder un peu? Je me fais taper, mais c'est voulu, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on détruit tout ça.
hop, on change d'arme et on détruit ceci. On change d'arme, j'ai dit, on détruit ceci. Je le fais exprès, c'est pour vous montrer un peu la technologie Xenos. Hop, on change d'arme et on détruit ceci. Oh, attention, ils arrivent, faisons pas de bêtises quand même. Tire, idiot, tire. Voilà, tire. Ok, super, on change d'arme et on détruit ceci. Oh punaise. Ah, je vais pas arriver à le détruire. Je voulais détruire le mob spawner, mais je vais pas y arriver, surtout que la nuit tombe. On verra ça de jour demain matin, je crois, parce que là, c'est de ses limites. Voilà, la nuit tombe, je vais pas faire l'imbécile. Je voulais détruire le mob spawner pour vous montrer ce que ça donne. Parce qu'en fait, quand ça le détruit, ça donne de petites pastilles violettes. Je crois qu'on les a vues dans la saison 1, d'ailleurs. Les pastilles violettes qui permettent de construire des potions. Alors, on peut pas les construire dans cette saison 2, puisque j'ai pas les recherches. Mais c'est possible. D'ailleurs, dans la saison 3, vous voyez, on pourra faire de nouvelles armures. Des armures en acier. Donc ça, c'est pareil, c'est prévu dans la saison 3. Les potions, ça devrait avancer. On va en demander un peu manuellement, tiens. Ça ira un peu plus vite. Attention qu'il y a peut-être une pénurie de potions vertes. Peut-être une idée. Allez, on va réactiver tout ça. Voilà, donc toi, tu refabriques des tiges d'acier. Les tiges d'acier plus ça, tu fabriques ça. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de circuits électroniques. Donc je refabrique un peu, je relance la production. Pas de problème. On va relancer la production aussi. Ah ben non, il y en avait déjà des engrenages. Je pensais pas. Ok, ça c'est bon. Donc toi, tu fabriques des potions vertes, normalement. Normalement. Je dis pas de bêtises. Hop, voilà, les potions vertes sont mises ici. Ok, c'est parfait. Donc c'est automatisé. La production de charbon, on est largement tranquille. L'électricité aussi, le fer aussi. Tout est tranquille. Voilà, je pense que j'ai plutôt bien géré cette saison 2. Bien mieux que la saison 1, qui pour moi était une saison découverte. Hein, donc c'était normal. Là, on sent bien que je maîtrise un peu plus le truc. Il y a évidemment des imperfections, vous l'avez vu. Des imperfections qui seront corrigées à partir de la saison 3, promis, juré. Voilà, ok, c'est bon, ça c'est bon. Donc on va subir une attaque. Mais ça devrait le faire. T'as plus de potions vertes. Tiens, une petite pénurie de potions vertes. Mais elles arrivent. On va juste regarder cette attaque. Oh, attention, parce que lui, il a plus de munitions. Voilà, l'attaque arrive. Ouais, ça, ils sont vraiment nombreux. Ouais, ils se dirigent à droite et à gauche, donc c'est bon. Ils sont divisés en deux, c'est parfait. Ça canarde. Ah, c'est pas loin à chaque fois. Hein. Ça lag un peu. Oh la vache. Ok, parfait. Allez, on va les faire mumus dans leur base. Je vais juste détruire un truc pour vous montrer. Alors, j'ai plus énormément de munitions, ça m'embête un peu. Hop là. On va y aller. Je voudrais détruire le mob spawner, parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Il est où? Il est là. Ah, ils ont fait le plein. Ils ont fait le plein, les petits malins. On change d'arme, on avance et on canarde. 2, 3, ça y est, je l'ai eu. On change d'arme avec Q, pour ceux qui se posent la question. Et voilà, et vous avez vu au sol, regardez ça. On va le prendre très très rapidement, puis on se barre. Hop, là, plap, là. Ouais, je les ai pas pris, on va y retourner. Tire. Oh là. Bon, je vais pas le prendre, hein, vous le voyez, c'est ici. Ce sont ces petites pastilles. Des artefacts Xenos, voilà. Donc ça, c'est les trucs qu'on verra dans la saison 3. Qui va nous permettre de construire des potions violettes. Et là, vous allez voir qu'en termes de système automatisé, on va aller dans un truc de dingue. Hein, parce que pour construire des potions bleues, c'est de la folie. Pour construire les potions violettes, les potions violettes, c'est un peu plus facile, j'avoue. Mais alors les potions bleues, ça va être terrible. On va se marrer, vous allez voir, on va se marrer, ça c'est sûr. Allez, je t'aide un petit peu. Hop. On redemande des potions vertes. Hop, voilà. Là c'est bon. Ok, bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. C'est vrai que sur cette fin de saison, on a une petite pénurie de potions vertes. On voit que ça produit pas assez ici. Hop, voilà. Plus que 2 barres avant la fin de cette recherche. On subira sûrement encore une dernière attaque. Qui devrait bien se passer, hein, puisque j'ai confiance en ma défense. C'est aussi un peu ce qui fait le charme de ce jeu. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est vraiment délire, puisqu'on part de rien. Vous l'avez vu, on part d'une pioche. On arrive à un système qui est juste colossal.
avec notamment ce tapis-là qui est hallucinant. Mais aussi un peu de tower défense qui rajoute un peu de piquant au jeu puisqu'on subit des vagues d'attaque et automatiquement c'est nettement plus complexe. Alors il faut savoir que la saison 3 il n'y aura pas le chronomètre. C'est un scénario hein, le chronomètre. Dans la saison 3 il n'y aura pas de chronomètre donc on sera évidemment moins attaqué que cette saison-là. Par contre on ira plus loin dans la complexité de la ville. Premier juré, ce sera pas la même saison. Ce sera beaucoup plus compliqué en termes de développement. Et beaucoup moins compliqué en termes de sécurité. Voilà ce qui vous attend dans la saison 3. Bon, ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé jumeler les deux. Mais c'est pas moi qui décide. Allez, j'ai des potions vertes. On y va, on les pose ici. Comme ça, il va les distribuer aléatoirement. Hop, voilà, il les pose. Tout le monde se sert comme il veut. Faites-vous plaisir, il y en aura pour tout le monde. Même pour toi. Plus que deux barres. Hop, je t'en mets une ici, après je suis un peu plus tranquille, je vais surveiller l'attaque qui arrive dans quelques secondes. Voilà, voilà, ça y est, le chronomètre est arrivé à zéro, on va subir une attaque, on va se préparer tous ensemble. Peut-être que si on se met sur cette partie-là, ils vont tous venir sur la gauche peut-être avec un peu de chance. J'aimerais bien jumeler toute une attaque au même endroit pour voir ce que ça fait, qu'ils se séparent pas en deux. Mais ça me paraît délicat, à faire, je pense qu'ils se séparent en deux volontairement. Voilà, on les voit, ils arrivent, regardez ça, ils arrivent. On va rester là, évidemment. Et là, ils arrivent sur la droite, on monte. Allez, on se met là. Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils se séparent? Ah, ils se séparent en deux. Ils se séparent en deux. Attention quand même. Oh là 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 là. Ils sont dans la base. C'était chaud. Il faudrait pas qu'il y ait une attaque en plus finalement. Heureusement qu'on arrive à la fin de saison. Parce que vous voyez là, ils étaient à deux doigts de rentrer. C'était chaud. Bon allez, 3 minutes pour finir. Normalement ça devrait le faire. On va redemander quelques potions. Alors, hop, en voilà une pour toi. Toi, en voilà deux. En voilà une ici. Voilà, je l'aide un peu pour finir. Toi, t'as tout ce qu'il te faut, toi aussi. Toi, t'as plus rien, tu prends ça. Hop. Toi, t'as tout ce qu'il te faut, c'est bon. Bah, tu prends la source directement, forcément. Donc, c'est plus facile de t'alimenter ces trois premières que ces trois dernières. Hein. C'est tout à fait logique. Ok. Et ok. Bon, mais c'est pas mal tout ça. On va peut-être te redemander quelques munitions parce que c'est pas dit qu'on subisse pas encore une dernière attaque finalement. Ce serait dommage de perdre sur cette dernière attaque. Bon, j'y crois pas trop. Hein. Sincèrement, je pense que ça va le faire. Mais méfiance quand même. Voilà, regardez ça. Ça y est, on est sur la dernière ligne droite. Il reste plus qu'une petite minute. Non, on subira pas d'attaque. Je pense que la recherche sera terminée avant. Ouais. Ok. Très limite sur les potions vertes, mais ça devrait suffire quand même. Ok, c'est bon. Allez, on subira pas d'autres attaques. Tant mieux pour moi. Ça, c'est plein. Bon, je le prends pas. C'est fini. Hein, c'est fini. Il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes. Ah, voilà. Bon, bah, je me détends. Ça a été chaud. Mais ça a été très, très agréable d'animer cette saison 2. Puisque vous l'avez vu, notamment sur la dernière, c'était limite. 5 épisodes pour y arriver. Tant mieux. La saison 3 qui durera nettement plus longtemps. On va partir sur sûrement... entre 15 et 20 épisodes pour la saison 3, pour la bonne et simple raison que mon objectif va être d'atteindre la dernière technologie du jeu. Vous ne la voyez même pas ici, il y en a plein. Il y en a encore plein dans la version sur laquelle je vais jouer. Et ça va me demander, ne serait-ce que pour la dernière recherche, c'est 1000 de chaque potion. C'est-à-dire 1000 rouges, 1000 vertes, 1000 bleus et 1000 xénos. Et ça, c'est juste pour la dernière. C'est-à-dire que pour atteindre la dernière, il faut aller à l'avant-dernière, qui elle aussi demande 500. Enfin bref, au total, ça va être des milliers de potions à faire. Et automatiquement, ça va me demander ce que vous voyez là, x10. Voilà, je vais avoir une base, ça, x10. Ça va être un truc énorme. Voilà ce qui vous attend pour la saison 3. J'ai réellement hâte de la commencer. Donc normalement, la technologie recherche va se finir. Il me reste 40 secondes. Ça devrait le faire. Le jeu laisse volontairement une petite pointe de suspense, j'ai l'impression. On a plus de potions vertes, ceci dit, s'il en a encore un peu ici. Ouais, si on en a. Ok, parfait. Ah, bon, ben voilà. Allez, plus que 20 secondes pour la prochaine attaque, mais je pense pas la subir. Je pense... Research complete. Voilà, parfait. C'est pas fini ? C'est pas fini ?
Si, ça y est, c'est fait. Voilà. Voilà, je l'ai fait, je me suis échappé, je n'y croyais pas, je croyais pas pouvoir le faire, c'est parfait. Je m'échappe, blablabla, blablabla, et voilà, c'est victoire. Donc victoire en 1h41.50, j'ai détruit deux tourelles de surveillance, j'ai tué 1667 creepers. Et les spawners de creepers, j'en ai détruit un, vous l'avez vu dans cet épisode. Allez, hop, voilà, c'est terminé. Allez, j'arrête là pour tout de suite. Je sais pas quand sortira la saison 3 au moment où je tourne cette vidéo. Vous le savez, vous avez juste à consulter le planning. Et puis on se retrouve très très rapidement, croyez-moi, pour la prochaine saison. Allez, à la prochaine, salut à tous.